en collaboration avec la brasserie Oki. Brasseur des bières Oki, Oki Légère, Miller et Carlsberg présentent, dans le cadre du Festival provincial de la motoneige, le 10e anniversaire Trans-Québec. We'll be right back.
Bien. Oui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir, parce que c'est un sport que tout le monde aime, je pense, la motoneige. J'ai fait mon escousse. Actuellement, on en fait moins. On pratique un autre genre de sport. Et puis, je ne sais pas, je tiens à vous dire que Saint-Diophas, c'est une paroisse qui a toujours manifesté quand même un apport pour la motoneige, parce que depuis une quinzaine d'années, ou 15 à 18 ans, que vous avez des droits de passage ici dans la municipalité. C'est de la part des producteurs. Et puis, j'invite tout le monde à continuer à agir avec du civisme pour que vous ayez vos droits de passage longtemps. Et puis, on vous souhaite une bonne randonnée. Et puis, faites ça en mode. Mais attendez plutôt ce soir, parce que à motoneige, c'est quand même dangereux. Merci. J'inviterai maintenant le député provincial, M. Albert Houde. Il est pas gelé? Bonjour tout le monde. Tout le monde est en forme? Oui! Ça paraît. Parlez-moi de ça, les gars, de la motoneige. Premièrement, d'abord, je voudrais féliciter tous ceux et celles, de près ou de loin, qui ont organisé cette caravane de bonne entente. Après 5, 6, 7 ans qu'on n'a pas fait de motoneige et qu'on embarque sur une motoneige, c'est vrai que c'est un sport. On a eu ça tantôt. Aussi, je voudrais remercier, en passant, je viens de prendre un café, puis combien ça coûte? C'est la gracieuseté de la maison Coco. Ben, venez souvent au restaurant chez Coco, je pense que c'est un bon endroit. Et où il fait bon vivre. Tantôt, M. Piette vous disait qu'on avait des droits de passage. C'est vrai que les droits de passage, c'est bien de les avoir. Puis de continuer à supporter la motoneige et pour que la motoneige redevienne ce qu'elle était dans les années 70. Et on en voyait beaucoup encore de motoneiges dans les sentiers. Et maintenant, le père des sentiers Trans-Québec. Maintenant, notre ami Robert Bob Petit. Pierre vient de mentionner qu'il va gérer les sentiers. Il commençait à regretter de ne pas l'avoir fait avec moi il y a 10 ans. Alors, au nom de tous les caravaniers, à titre de président fondateur des Sentiers Trans-Québec, je voudrais remercier chaleureusement M. Claude Piette de nous avoir si bien reçus ce matin et le relais chez Coco. Et je voudrais aussi, tout au long de la caravane, laisser un petit message. C'est que le geste me rappelle ce matin, là, le fameux randonnée Trans-Québec entre Montréal et Québec. Puis, il ne faut pas oublier que dans le motoneige, il n'y a pas seulement des motoneigistes, il y a également tous ceux qui savent si bien nous accueillir. Parce que ce qu'on vient de faire ici, je pense que c'est un geste qu'ils viennent de poser. On n'était même pas attendu pour prendre le café, puis ils nous donnent gratuitement. Alors, au nom de toute la caravane de bonne entente et du Festival provincial de la motoneige, j'aimerais remettre à M. Piette un souvenir de notre passage.
Pointe du Nord pour son accueil. Et sans plus tarder, parce qu'on est bousculé un petit peu, je présente les deux maires des municipalités et paroisses de Saint-Félix-de-Valois, M. Fréchette et M. Desrosiers. Bonjour. Au nom de la population de la paroisse Saint-Félix-de-Valois, il me fait plaisir de vous souhaiter, membre du club Motoneige Caravane Québec Bonne Entente 85, la plus cordiale bienvenue. Pendant de nombreuses années, le sport de la motoneige a connu chez nous à Saint-Félix-de-Valois un essor constant. Nous avions plusieurs pistes très bien entretenues et nombre de familles possédaient une, deux ou même trois motoneiges. Maintenant, depuis la disparition du club Guillaume Tell, et peut-être aussi à cause un peu du prix élevé de l'essence, nous avons perdu certains adeptes de ce sport, qui, malgré tout, demeure encore bien populaire chez nous. Donc, il me fait bien plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Au nom de la municipalité de la paroisse, je vous souhaite un heureux séjour, un séjour qui vous incitera à venir nous voir plus souvent. Soit dit en passant, un de mes anciens élèves. Ça me fait plaisir de voir comment nos anciens élèves tournent. Alors, un petit souvenir de Saint-Félix. S'il ne veut pas le boire, ben, il le mettra dans son skidoo pour le réchauffer le matin. OK. Alors, merci beaucoup. Merci. Ça fait énormément de plaisir de vous recevoir ici à Saint-Félix-de-Valois. C'est vrai que c'est ma municipalité, village de campagne, étant donné qu'on a deux municipalités. De vous accueillir, et comme disait M. Fréchette tantôt, vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Félix-de-Valois. Quand vous allez à Saint-Gabriel passer chez nous, vous pouvez arrêter, prendre un petit verre et causer avec les gens de Saint-Félix. Alors, merci beaucoup. Au nom de tous les caravaniers, à titre de président fondateur des Sciences et Trans Québec, les gars, vous allez entendre ça toute la journée, mais c'est ça. C'est beau, Je voudrais remercier tous les gens qui nous ont reçus ici à Saint-Félix, si chaleureusement, M. le maire de la paroisse, M. le maire de la ville de Saint-Félix. C'est pas sans me rappeler non plus, je commence à jouer un peu de ma machine 85, là, je vous dis que c'est quelque chose à se chauffer, cette affaire-là. Hey, vous dites qu'on avait sorti le vieux meuble, il y a soir. Il manque une patte à part de ça. Je voudrais, au nom du Festival provincial de la motoneige et à titre de président fondateur de Sentiers Trans-Québec, remettre un souvenir de notre passage de la caravane 10e anniversaire des Sentiers de motoneige Trans-Québec au maire paroisse, je m'excuse là, et le maire de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Bon, on va faire une photo. Première dame de la motoneige au Québec,
Madame Marcel Bernier qui est avec nous. Et durant tout le festival. Merci.
Nous sommes ensemble encore ici à une tenue une heure. Premièrement, d'abord, je voudrais féliciter le Monsieur M. Alphonse, le coureur des bois qui existe depuis les années 1970 et qu'on voit encore des gens qui sont capables de se donner pour le plaisir de la motoneige. Bienvenue à cette Alphonse et une chose que je vous souhaite, de revenir encore. Ça s'entend pour nous et nous quitte ici à cette Alphonse, ça va nous plaisir. Bon après-midi. Thank you.
On tient d'abord à remercier le propriétaire du bar L'Arcade de nous avoir reçus. Et sans plus attendre, je présente la mairesse du village de Ville de Saint-Jean-de-Matin, Madame Thoreau. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, tous et chacun, d'avoir pris part à cette caravane de la bonne entente. Je sais que pour les organisateurs, c'est sûrement un encouragement très pressant. Pour ceux qui penseraient, et moi-même, je le pensais, que le sport de la motoneige avait diminué, je me rends compte que je faisais une grave erreur. Et tant mieux, c'est tant mieux et pour l'économie de la région et même du Québec. Et c'est tant mieux aussi pour les gens qui continuent ce sport, parce que je pense que par des températures comme aujourd'hui, c'est un beau sport. Maintenant, je voudrais également féliciter et remercier chaleureusement ceux qui, au tout début, étaient là pour organiser ce fameux sport et cette fameuse caravane, les sentiers qui ont été aménagés, qui sont de plus en plus bien entretenus. Je pense qu'il n'est pas loin. Et j'aimerais lui remettre au nom de la municipalité quelque chose qui est très petit, mais ce n'est pas la valeur nominale qui compte, je pense que c'est vraiment la valeur sentimentale. Et c'est le petit sigle, l'emblème de la municipalité, que nous ne vendons pas, que nous donnons bien à ceux à qui qu'ils méritent d'habitude. Alors, je pense que Bob le mérite, alors je voudrais lui remettre. Et je voudrais également, bien sûr, souligner à titre posthume la part de M. Denis Drouin, qui bien sûr a beaucoup travaillé à cette cause. Et même si ce n'est pas là, je pense que ce n'est pas une. En d'autres occasions, on aura également le plaisir de vous recevoir à Saint-Jean-de-Matin, peut-être à l'Hôtel de Ville. Et il faudrait peut-être mentionner aussi la part de M. Jean-Luc Beaulieu et de son équipe qui sont toujours là pour appuyer les gens du sport et les autres. Merci beaucoup. Le député de Berthier-Masquinongé, M. Albert Houd. Merci, M. le Président. Parce qu'il vient ça depuis le matin qu'il fait ça à tous les endroits qu'on arrête. Madame la maire, on est choyé ici d'avoir une femme comme maire de Saint-Jean-de-Mata. Et nous sommes encore plus choyés parce que nous avons une foule considérable ici. Pourquoi? Parce que je pense pour le côté nord, là, c'était l'endroit idéal pour faire la motoneige en 1962, 65, 67 et en montant encore. Le premier chef, Jean-Claude Lascade, a une petite surprise pour Bob apparemment. Alors j'invite M. Jean-Luc Beaulieu à être présenté. Merci. Je vous remercie en passant d'être arrêté chez moi. Je voudrais féliciter mon ami Bob de son grand travail qu'il a fait depuis 10 ans. J'ai ici une petite plaque que je voudrais remettre à mon ami Bob. Hommage à Bob Petit, fondateur de la Trans-Québec, 75 à 85. Félicitations, Bob. Je ne m'attendais pas à ça, mais je voudrais vous mentionner, entre autres, qu'il y a 10 ans, on est arrêté ici au bord de l'arcade avec la caravane, la première caravane de bonne entente. C'était encore, je pense, des vrais motoneigistes comme on le trouve aujourd'hui avec nous autres. Puis je vous félicite d'être venu avec nous autres et je vous encourage à nous suivre. On s'en va au fait de l'eau pour rentrer à Saint-Gabriel. Je pense qu'ils n'auront jamais vu autant de motoneigistes rentrer à Saint-Gabriel. Merci à Mme Perrault, Mme la maire. Quand je parle de Saint-Jean-de-Mata, je dis toujours que j'étais un petit gars de Mata, moi aussi, et que j'ai une mère.
Là, tout le monde me dit, c'est qui ça, ta mère? C'est Mme Perrault. Trans-Québec 1985, j'aimerais vous remettre un petit souvenir au nom de tous les motoneigistes. Merci beaucoup. Même si j'ai un petit peu de travail, j'aimerais vous donner ça à vous de moi. Vous allez en avoir un autre. Je vous remercie aussi pour avoir été présent cet après-midi. Puis on va les retrouver au carnaval au début de février, si je ne me trompe pas. Carnaval du Lac-Noir au début de février. Alors c'est encore O'Keefe qui est là, puis mon boss serait fier de voir aujourd'hui que tout le monde prend. Comme motoneigiste à Saint-Denis. Moi, là, je suis rendu un vieux, mais j'en ai perdu beaucoup.
qui a commencé à faire du surdoux en 1965. Quand on avait de la misère, on faisait du surdoux. Tout va bien. Là, on a dit qu'on n'en fait plus. Mais je pense que je vais revenir. Je vais rembarquer avec vous autres. Vous souhaitez une bonne caravane. Un nouveau départ dans 5 minutes. Viens donc acheter des pêches, viens dans le rêve.
merci à tous ceux qui ont participé à la caravane de bonne entente Trans-Québec 1985 aujourd'hui. Ça fut un réel plaisir, je pense, de rouler en avant tout le monde. Tout le monde a suivi. Je pense que tout le monde est satisfait de la journée. Oui! Là, ça fait ça de prendre une bonne OK, mais on va prendre un petit caribou à la santé de la ville. Je voudrais aussi... Comment? Ouais, on va donner ça à mon ami. Je voulais remercier, d'une certaine façon, les deux le représentant du maire de la paroisse et le maire de la ville de Saint-Gabriel, M. Dilipa Morin, au nom du Festival provincial de motoneige et de la caravane de bonne entente Trans-Québec 1985. Ça fait plaisir de vous offrir ces souvenirs. Si vous voulez vous avancer, messieurs, s'il vous plaît. Ce 10e anniversaire de fondation des Sentiers Trans-Québec, mais c'est également le 10e anniversaire de la Fédération des clubs de motoneige. Et j'aimerais que tout le monde ensemble, on puisse se chanter la chanson de Gilles Vigneault, c'est à ton tour. Tout le monde ensemble, tout le monde debout, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour. Simplement dire merci à ceux qui ont pensé à souligner cet anniversaire-là. Merci à ceux qui ont pensé peut-être de demander à Pierre Lacour, mais celui du Journal de Montréal, de venir donner un coup de main avec sa présence puis son journal, parce que c'est un journal qui est quand même puissant. Puis à tout le monde, tous ceux qui se dévouent. Puis là, je voudrais tout le monde ensemble qu'on se lève, qu'on donne une grosse main d'applaudissement de bord à Robert Bob Petit, le président fondateur. Et à des bonhommes comme Paul Gélina, qui continuent à faire les ambassadeurs, puis à se promener partout, puis à dire au monde, c'est ici au Québec qu'on est numéro un de la motoneige, puis c'est ici qu'on est le plus beau sentier, puis bravo, messieurs! Bravo, maman, bravo! Bravo, maman! Merci, Pierre, pour le désir, un chaud au cœur. Et maintenant, je demanderai à tout le monde à la salle, si vous voulez bien, nous allons être extrêmement attentifs pour les quelques minutes qui vont suivre, par notre ami Bob Petit. Alors, ça me fait plaisir de l'avoir ce soir. C'est un souvenir qui me fait chaud au cœur. Maintenant, mes amis, le succès de la fête d'aujourd'hui, parce qu'imaginez-vous qu'à Saint-Gabriel-de-Brandon, il y a eu aujourd'hui au moins 300 motoneigistes. Je crois que ça fait au moins 5, 6 ou 7 années que ça ne s'est jamais vu.
Tout ceci, ça dépend d'un comité formidable qui avait comme président nul autre que Pierre Bédard. Et on veut également souligner le 10e anniversaire de la Fédération des clubs motoneiges. Alors, j'aurais un petit souvenir à remettre à notre président à l'heure. Pierre, si tu veux joindre moi, s'il vous plaît. Alors, Pierre, un souvenir du 10e anniversaire de Saint-Sébastien Québec. Ça fait plaisir au nom du Festival provincial de la motoneige de te remettre cette taxe au nez. Et puis, dans les semaines qui vont venir, on aura d'autres choses à te remettre. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir avant la journée d'aujourd'hui parce que, en tout cas, je ne parle plus, tu me donneras les semaines de Mathieu. Merci beaucoup, bien. OK. Maintenant, je voudrais peut-être, avant de passer aux autres personnes à qui on veut souligner quelque chose pour les Trans-Québec, je voudrais inviter le président de la Fédération des clubs motoneiges du Québec, Marcel Bernier, s'il vous plaît. Bravo, bienvenue, Marcel. Alors, Marcel, il me fait plaisir, au nom du Festival provincial de motoneige, de te remettre cette plaque souvenir de ton passage à Saint-Gabriel pour le 10e anniversaire des Sentiers Trans-Québec. Alors, étant donné que tu es le président de la Fédération depuis quelques mois à peine, nous te souhaitons le festival. Nous te souhaitons un règne de président magnifique et on sait déjà qu'avec la collaboration que tu nous as apportée, tu seras sûrement apporté quelque chose de nouveau à la motoneige dans les années qui vont venir. Alors, Marcel, merci beaucoup. Toi, je voudrais particulièrement souligner ça, ces trois bonhommes-là. Le premier que je vais parler, j'ai choisi mon homme parce qu'il va y avoir des choses qui se vont dérouler par après. Le premier dont je voudrais souligner la part est un bonhomme de Saint-Gabriel. C'est un monsieur qui, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir, mais nous avons l'honneur d'avoir sa fille. Alors, je veux parler de monsieur Bruno Mire. Alors, j'inviterai, s'il vous plaît, Daniel, à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Moi, pour avoir travaillé avec monsieur Mire, Daniel. Alors, je voudrais rendre un hommage sincère à ton père, Daniel, parce que c'est un bonhomme qui a beaucoup travaillé, pas seulement dans Montenegre, dans tout ce qui a rapport à Saint-Gabriel. Alors, si tu veux bien accepter, au nom du Festival provincial de la motoneige, cette taxe souvenir au nom de ton père. Okay. Excusez-moi, mais cette photographe. Alors, Daniel, merci beaucoup. Ils ont montré qu'ils ont vraiment appris.
Je voudrais tous les remercier et leur donner une bonne main d'applaudissement à eux aussi. Il y a Pierre Bédard, Cécile Grandchamp, Robert Duhaime, Gaétan Gravel, pour ne pas dire Gérard. Si on leur donnait une bonne main d'applaudissement, tu sais, on va vous enlever. Je pense que le motoneige va aller louer avec un président motoneigiste comme on en a un. Marcel, merci énormément. Merci Pierre, et sûrement que si Pierre se donne comme ça pour le journal et pour les motoneigistes, sûrement que je peux lui rendre l'appareil. C'est sûrement parce que lui aussi est un grand motoneigiste. Donc, merci Pierre. Michel Dessin, je pense que c'est grand. Merci mon père. Je suis
suis très heureux d'être ici ce soir là, pour commémorer le 10e anniversaire de la Fédération. J'aimerais aussi là, que dans les quelques paradoxes ici de d'autres régions, là, alors aussi tu veux me faire quelque chose. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a partout. Bravo, on s'applaudit tous très fort. Votre premier. Alors c'est formidable. Et un petit coup de main et je voudrais souligner de façon particulière la présence de M. Jardin Sainte-Marie et sa femme et sa fille. Monsieur Saint-Marie de Bombardier, ils sont toujours là pour vous aider. Merci beaucoup. Je vous ai. Et maintenant, avant de terminer, ça va être la dernière chose, j'aimerais...